pousse, ça pousse, ça pousse. Ouais, une caméra. Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, les amis, on va parler du stage 1 sur ma Golf 7 GTI. Encore une fois, une Golf. Sur ma Golf 7 GTI, c'est parti. Évidemment, pour accompagner tout ça, on a acheté ça. C'est un inlet, un outlet et la durite en silicone. Hop là. Hop. Qu'on va rajouter à la voiture pour lui apporter un peu plus de... Bon, je vais pas dire vraiment de perf parce qu'en fin de compte, le stage de la reprog a déjà été effectué. Donc on va dire que c'est un petit plus à apporter au stage 1 qui lui fera pas de mal. On va commencer par démonter le cache moteur. Hop. Voilà. On va le poser sur le côté. Voilà. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. En fait, ici, là, du coup, on a la durite en silicone qui va venir ici, là, dans la boîte à air. On a le inlet qui est ici, là. En fait, c'est cette partie-là que vous voyez ici, là. On a le outlet qui est juste en bas, qui est un peu plus bas à l'intérieur. Vous le verrez pas vraiment ici, là. Mais il est à l'intérieur ici. Voilà, une fois que vous avez réussi à enlever la durite comme ça, hop, on peut la poser et on va comparer avec celle-là. Hop, comme on peut le voir, il y a une grosse différence de taille. C'est-à-dire que celui-là, non seulement il va pas gonfler par rapport à celui-là, et il va pouvoir prendre beaucoup plus d'air que celui installé d'origine. Une fois qu'on a enlevé la vis qui est juste ici, hop, on met ça sur le côté et normalement, hop là, ça vient tout seul. Voilà, ça c'est la pièce d'origine, les amis. On va la comparer du coup à la nouvelle pièce. Voilà la différence de gabarit. Comme vous pouvez le voir, ici c'est beaucoup plus gros par rapport à ici, donc ça fait rentrer plus d'air, ce qui est logique. Parce que c'est le but d'avoir plus d'air qui rentre dans le turbo. Ça c'est la pièce d'origine. Et ça c'est la pièce qui vient remplacer la pièce d'origine. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a une grosse différence de taille. Du coup, hop là. Là on a le outlet. On va le sortir comme ça. Évidemment, ce que j'ai fait les amis, c'est que j'ai enlevé la boîte à air qui était ici. J'ai dévissé ici là. En fait, du coup on a accès en fait à la dernière vis qui est en bas là-bas. Là vous verrez pas vraiment, je vous montrerai tout à l'heure. Hop, ça, du coup on le décale légèrement comme ça et voilà, on a la pièce qui vient ici. Du coup les amis, voici la pièce d'origine. Hop, on va regarder au niveau du diamètre. Au niveau du diamètre, comme vous pouvez voir, c'est sensiblement pareil. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a ici là deux évacuateurs d'air. En fait, il y a une espèce de turbulence à l'intérieur et l'air ne sort pas directement droit. Ce qui fait que l'air ressort par là et fait des espèces de bouchons ici à ce niveau-là et ça empêche la performance. Cette pièce-là, en fait, elle va permettre à l'air d'aller directement tout droit. Et on aura une meilleure réponse à la pédale. Je vous montre la pièce comme ça. Voilà. Hop. Du coup, ça va être comme ça. Hop. Et voilà, l'installation de la pièce est terminée. Donc les mecs, ça y est, on a pu installer les pièces. On va récapituler tout ça ensemble. Hop. Du coup, sous le capot, on a mis inlet juste ici là, outlet en bas en sortie de turbo. On a mis du coup la durite en silicone. À l'intérieur, évidemment, il faut mettre le filtre à air. Le filtre à air Cayenne qui va bien. Cayenne ou Green, peu importe la marque, on s'en fout. Là pour l'instant là j'ai rien mis, on est resté avec le filtre à air d'origine, évidemment ça va arriver doucement, j'attends d'abord la commande, du coup ça va arriver, je vais essayer de faire quelque chose ici, en fait pour l'arrivée d'air, comme ça, parce qu'en fait si vous voulez, là l'air rentre comme ça,
Il va directement dans le moteur, comme vous pouvez le voir, il va directement dans le moteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être cacher ici pour permettre à l'air justement de passer comme ça, de rentrer à l'intérieur et de directement rentrer dans le turbo. Mais ça, c'est juste au niveau des pièces. Évidemment, on mettra des bobines pour fiabiliser tout ça et des bougies pour repartir sur de bonnes bases. Du coup, parlons du stage. La voiture développe 230 chevaux d'origine. On a fait un stage 1 éthanol E85, franchement soft, parce que j'ai pas mis, on va dire, de pièces performance, c'est-à-dire comme une pompe basse pression, parce qu'on sait qu'à l'éthanol ça débite beaucoup plus, donc il faut entre guillemets ramener beaucoup plus de carburant à la pompe haute pression et aux injecteurs. Donc il faut soit une pompe basse pression, soit une pompe haute pression. Les injecteurs, je pense, ils vont suivre, mais je pense que très prochainement on mettra une pompe HP haute pression. Du coup, on verra si on met un kit Autotech ou on verra plus tard. Pour l'instant, en vrai, ça marche plutôt bien. Je pense qu'elle développe entre 280 et 300 max, pas plus, parce que je l'ai pas passé au banc. J'ai fait la reprog, mais je l'ai pas passé au banc. Elle n'est pas passée au banc, la voiture. C'est une reprog sur route en temps réel. Du coup, ce qu'on va faire, les amis, c'est que on va monter. Je vais vous emmener avec moi. On va monter dans la voiture. On va faire quelques accélérations pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer en début de vidéo la voiture d'origine pour vous faire un petit peu la différence. J'ai pas pu le faire. Mais voilà, je pense que les gars GTI, vous savez comment ça marche d'origine. Là, j'ai mis un stage 1 du coup, éthanol, inlet, outlet et durite en silicone. On va aller voir ce que ça donne sur route. Franchement, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus répondant à la pédale. On sent qu'il y a un peu plus d'envie à la voiture et ça traîne moins les pattes. On ferme le capot et je vous emmène avec moi. C'est parti. Hop là! Bon les amis, j'espère que là, vous arrivez à bien voir. Hop. Déjà quand on démarre, on sent bien que le outlet, il fait un peu plus son boulot. Hop. On va mettre ça comme ça. On va se mettre d'abord en mode confort. On va se mettre en mode normal. Comme si on roulait tous les jours. C'est parti. Franchement, il y a un peu plus de répondant au niveau de la pédale. Je ferme d'abord la vitre. Il y a un peu plus de répondant. Ça va, on est à 71 degrés au niveau de la température d'huile, donc ça va. Je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai pété le pare-brise du coup. Et en fait, si vous voulez, je vous explique, j'ai pris un caillou et même pas un jour après, ça a pété. Donc on va essayer de réparer ça plus tard. On verra avec l'assurance comment on va faire. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien quand je pose la caméra au-dessus là. Si ça fait bien ou pas. Bon, j'ai pas investi dans une GoPro, mais voilà. Là, c'est d'origine ce que ça donne. On va se mettre palette au volant. On va rétrograder un petit peu. Franchement, même le son à l'arrière, on l'entend mais beaucoup plus. Beaucoup plus le son. Hop. On sent que la voiture elle en veut. Puis là, ce qui est bien, c'est que comme on est un peu plus rabaissé, la voiture tient beaucoup mieux la route. Moi, je ressens vraiment la différence. On sent vraiment la différence entre l'origine et le mini stage 1 qui a été fait dessus. Par contre, au niveau des dodanes, il faut faire super attention. C'est vraiment très très bas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour ici. On va attendre qu'il passe. On va faire demi-tour. On va tout désactiver. Et là, on verra vraiment ce qu'elle a dans le ventre. Hop, on regarde, il n'y a personne. Voilà.
Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que hop, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en mode individuel. J'ai tout configuré, j'ai tout mis en mode sport, si vous voulez savoir. Individuel, on va désactiver l'ESP. Et normalement, on n'est pas à 100% déconnecté parce que la voiture t'aidera toujours un petit peu. Mais au moins, on a désactivé le maximum de choses. Hop. C'est parti. En deux, fond de deux. Même au niveau du freinage et au niveau de la direction, c'est beaucoup mieux. Ah, je redis, vous prendre cette petite route là pour essayer de vous montrer. On va prendre les routes à côté, les amis. Hop. Évidemment, la route, c'est pas un circuit. On essaie d'accélérer, mais tout seul pour ne pas faire peur aux gens. Mais franchement, au niveau tenue de route, c'est beaucoup mieux. C'est dû justement au rabaissement, au moins 40. Et c'est beaucoup plus précis. Et la voiture a beaucoup plus de coffre. Elle envoie beaucoup plus longtemps. Et même au niveau du fart, on sent que ça pète un peu plus. Je ne sais pas si c'est vraiment dû à l'inlet et à l'outlet, mais franchement, s'il y a beaucoup plus de répondants et ça sonne un peu plus fort. Et pourtant, je n'ai pas plus modifié que ça au niveau de l'échappement. Je ne sais pas si vous arrivez vraiment à entendre, les amis. Hop, on regarde, il n'y a personne. J'ai pris cette route. Hop. Franchement, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Ça pousse et ça finit jamais. Franchement, je ne regrette pas du tout mon stage 1. Je pense que plus tard, quand je mettrai soit la pompe basse pression, si, enfin ça dépend de laquelle fatiguera. Si c'est la pompe basse pression, bah on mettra une Valbro ou une autre marque, on verra. Si c'est la haute pression, bah on changera la haute pression. Et peut-être qu'on passera à un stage 2. Peut-être qu'on pourra enfin passer à un stage 2. Parce que là, il y a quasiment les pièces pour. Putain, la voiture, elle chasse. C'est incroyable. On sent vraiment que... Elle a beaucoup plus de puissance. Je ne saurais pas vous dire exactement combien elle sort. Si vous voulez voir une vidéo du passage au banc de la voiture, bah dites-moi ça en commentaire, les amis. Si vous voulez qu'on passe la voiture au banc pour voir ce qu'elle a réellement dans le ventre. Mais là, franchement, pour moi, c'est assez concluant. Pour l'instant, ça me plaît comme ça. Je suis assez satisfait de la voiture.
de passage de rapport, mais il te met des coups de claque à chaque fois. Je trouve ça, excusez-moi les amis pour les pro Audi, mais je trouve ça beaucoup plus fun que l'Audi que j'avais. Et pourtant j'avais 300 chevaux d'origine sous le capot. Là je m'amuse, mais deux fois plus. Et pourtant je pense avoir quand même un petit peu moins de puissance. Avec la 8P j'avais plus de 370-380 chevaux. Et évidemment je m'amusais aussi énormément, mais avec la 8P j'avais 300 d'origine. Et je me suis jamais autant amusé qu'avec ma Golf. De toute façon vous voyez bien, ça patine de partout, la voiture cherche sa route, il faut un petit peu rattraper. C'est beaucoup plus fun en fait que de conduire un TGV, parce qu'évidemment l'Audi c'est super efficace, ça marche, ça va tout droit, ça sort ses chevaux. Mais une Golf, ça patine. Faut rattraper la route, évidemment. Faut pas conduire n'importe comment, n'importe où non plus. Faut pas être un abruti non plus. Mais je suis plutôt satisfait de la voiture. Je ne regrette mais absolument pas mon choix. Toutes les personnes qui critiquent Volkswagen, bah c'est parce que vous avez jamais réellement testé. Moi, franchement, j'ai eu la chance d'avoir deux superbes voitures, deux Audi S3. Donc, je peux me permettre de parler. Évidemment, j'ai pas testé de propulsion. Donc, les problèmes, ils pourront peut-être parler. Mais je trouve ça super fun, c'est super agréable à conduire. Il y a une très très bonne finition aussi. Évidemment, Audi reste au-dessus en termes de finition, mais je ne suis pas du tout déçu de cette Golf. Maintenant, évidemment, un petit stage 2, je dis un petit ou un petit stage 1 plus, parce que j'ai pas envie de m'emmerder à enlever le catalyseur, ne serait pas de refus. Hop là, on va mettre la voiture en mode normal. On va réactiver le SP. Un petit stage 1 plus ne serait pas de refus, mais déjà que là ça patine. J'imagine pas sur un stage 1 plus ou un stage 2 on sortirait 330 ou plus de 350. Donc je pense qu'on va rester comme ça. On va conclure tout ça dehors, la famille. Bon les amis, en conclusion, on a apporté un peu plus de fiabilité à la voiture. Enfin je dis fiabilité, on a apporté un peu plus de pièces pour qu'elle puisse mieux respirer. Tu l'auras compris. Mon ressenti sur le stage 1 et de la voiture en général, bah c'est plutôt positif. Ça se porte plutôt bien, ça marche plutôt bien. Pour un stage 1, ça marche plutôt bien. La voiture répond super bien à la pédale. Pour l'instant, j'ai pas eu de mauvais retour sur mon stage. Donc, c'est plutôt concluant. Donc, on va finir cette vidéo comme ça. J'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Si vous voulez me suivre sur mon Instagram, il s'affiche là. Tu pourras me poser quelques questions si tu as envie de me poser des questions. Ou sinon, dans l'espace commentaire. Je te laisse t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, pour ceux qui sont abonnés, bah, je remercie vraiment la famille du fond du cœur. Nous, on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous sur la route. C'est du sérieux. Peace.